Oh. Alors, ça va? Ouais, t'as pas picolé, toi? Bah non, pourquoi? Bah c'est un film. Pourquoi? C'est un film de cow-boy. Il faut être... Sortez des saloons, les mecs, à l'époque, ils étaient défoncements. Bien sûr, putain. Je suis venu bourré direct de la soirée Tarantino, là. Profite de Manuel, si tu veux. C'est cool, merci. Bah ouais, pour te, toi. Merci, madame. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Bah viens, Guillaume, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, mais il est pas... D'habitude, il est plus docile. Voilà, c'est bien. Qu'on se le dise! Billy Bob est de retour à Westminster. Ça va, ça commence, ça commence à taper là? Comment ça tape? Full nichette. À mon avis, full nichette. Non, mais je comprends, mais. Ok, ok. Boum, Daniel Day-Lewis. Oui, allez. Je sais pas ce qu'il a mal. D'habitude, il est calme. Non, pas le bureau de Richard. Là, voilà. Nickel. Allez. T'es bien bourré. Tu vas te planter, toi. Ça va, Richard? Ouais, ça va? Ouais. Ça va, toi, Coco? Bah, ça va, bof, moi. Allez, François, tu me fais le. On commence avec toi, avec le monologue du shérif? Allez. Après, si tu te sens pas. Si Billy Bob. On commence, c'est le texte. Si Billy Bob avait été l'homme de parole qu'il prétend être. Ah. Jamais! Oh là là! Oh là, attention! Westminster, j'ai remis ma tête à prix! Yes! Vas-y. C'est agressif. Faut pas viser les gens. Pour une poignée de dollars! Qu'est-ce que tu me fais? Mais c'est génial, mais c'est ça! Putain, y'a un truc fort, y'a un truc un peu à l'ancienne, comme des vieux clodos à la Gainsbourg! Il est bourré! Du coup, je te vois pas, je suis désolé. Il a fusé comme un porc! Attends, Richard, je peux te... Attends! Richard! Rattrape! Tiens, c'est du coco! C'est du putain de coco! Et que je vous revois pas de sitôt.